dernière minute parce qu'il y a des nouvelles avancées sur. Voilà. Donc, Gilles Darol, hein, consultant d'Alibo, auteur de Ratou PG, PG Badger, PG Clou et d'autres choses. Là, effectivement, c'est une présentation très rapide. Bon. On va voir, j'ai essayé de vous présenter ça de manière un peu ludique, parce que faire la liste des items, c'est pas très marrant. Donc, Oracle, comment s'en passer ? C'est la grosse problématique. Info pratique, tout d'abord. Vous avez un numéro vert qui vient de sortir, qui vous permet de parler. Si vous avez été victime d'audit d'Oracle, vous pouvez tout dire. Voilà. Il n'y a personne à l'autre bout du fil, mais vous pouvez tout dire. C'est vous qui le faites, donc il est vraiment adapté à votre problématique. D'habitude, oui, quand on a plus de temps, je demande qui a subi un audit, et je vous laisse la parole pendant 15 minutes, histoire qu'on évacue un peu, pas cette fois-ci. Désolé. Donc sinon, comment s'en passer ? Vous pouvez déjà commencer à coller des stickers sur vos serveurs Oracle. C'est une bonne chose. Commencez par là. Je vous ai évité les images choc du DBA en train d'appeler Oracle, le support Oracle. Là, c'était trop violent. Je vous évite ça. Sinon, j'ai toute une liste de slogans aussi à votre disposition. On peut se rencontrer à la fin ensemble dans une pièce, on les répète pendant quelques minutes, ça peut être sympa. Ça permet d'évacuer aussi. Sinon, je vous conseille toutes les nouvelles sociétés probablement qui vont pulluler dans quelques temps et qui vous diront que Postgres, c'est merveilleux et que c'est les meilleurs, etc. De vous contacter des sociétés qui tournent autour de la communauté Postgres, ça fait travailler les gens qui développent Postgres et les outils qui sont autour, plutôt que de vous orienter vers les lumières de marketing qui manqueront pas d'arriver, parce que Postgres, vous êtes les mieux placés pour le savoir, est en levant en poupe, et il y a beaucoup de sociétés qui viennent s'y greffer. Vous verrez. Voilà. Sinon, l'idée, c'était de vous faire admettre plus ou moins que Oracle, c'était une dépendance, que vous êtes addict d'Oracle et que vous avez un problème pour vous en débarrasser. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la future version d'Oracle PG, la version 16. Future, elle devrait sortir normalement si j'y arrive autour du 15 octobre, quelque chose comme ça. Donc dans cette nouvelle version, il y a une fonctionnalité principale qui vous permet de scanner l'intégralité de votre parc de base Oracle et de demander au Ratou PG de faire un audit de toutes ces tables, de toutes ces bases. Je voulais pas prononcer le mot audit, excusez-moi. Faire un inventaire de toutes ces bases pour déterminer les objets qui sont les schémas qui sont les plus facilement migrables. On va voir un peu en détail. Donc, le principe est assez simple. Il suffit de créer un fichier CSV avec un certain nombre de champs à remplir pour chaque instance que vous voulez scanner. Donc, vous donnez le type. C'est Oracle. On verra après pourquoi il y a un champ type. Le schéma, vous donnez votre schéma de votre base Oracle que vous voulez scanner. Le data source pour pouvoir vous connecter à cette base. Donc, le DBI Oracle, Oracle PG, c'est fait en Perl. Donc, c'est un data source Perl qu'il faut lui donner. Mais bon, c'est assez standard. Et le user et le mot de passe pour pouvoir se connecter à cette base.
Il y a un autre champ aussi qui rajoutait, qui permet, si vous avez l'audit trail d'activer, qui vous permet de collecter toutes les requêtes qui ont été jouées sur votre instance Oracle, et Aura2PG vous fait une analyse des requêtes pour vous donner une estimation du temps de l'effort de migration sur la partie cliente. Vous pouvez l'intégrer, entre guillemets, vous aurez quelque chose d'approximatif. Une fois que vous avez rempli votre fichier CSV avec toutes les instances que vous voulez scanner, vous exécutez un script qui s'appelle Aura2PG Migration Scanner avec en paramètre donc le fichier CSV que vous avez et un répertoire de sortie où par défaut il va créer un répertoire output. Il y a eu beaucoup d'imagination. Et au bout de quelques minutes, voire quelques heures, hein, si vous avez un très très gros parc de base Oracle, vous allez avoir un fichier CSV, dbscan.csv, qui va être généré avec tous les résultats en mode ligne du scan de vos instances. Il vous génère aussi un rapport HTML, mais ça, c'était déjà une fonctionnalité qui existait dans Aura2PG jusqu'à présent. Donc, c'est un rapport HTML sur les objets, les estimations de migration que vous pouvez avoir liées à votre instance. Le fichier CSV, donc, il va vous sortir le nom de l'instance, la version d'Oracle qu'il a détectée, le schéma qu'il est allé scanner, la taille qu'il a pu détecter. Bon, ça, c'est pas forcément intéressant d'avoir la taille, mais voilà, il y est quand même. Et le coût, l'estimation en jours hommes qu'Aura2PG a pu estimer par rapport à votre base Oracle. Et donc, une nouveauté aussi, c'est l'estimation du niveau de difficulté qu'il va rencontrer sur cette migration. On va en parler. Voilà le migration de level. Donc là, on est sur trois lettres qui vous permet d'estimer la facilité de migration d'une base. Donc vous avez A, B, C, une base Oracle qui a été détectée au niveau A, vous pouvez la migrer quasiment en automatique. Alors, vous lancez quelques heures après, c'est fait, vous êtes supposé. Niveau B, il y a de la retouche un peu à faire au niveau du code, certains objets, mais vous avez un travail inférieur à 10 ou 5 jours. Je pense que là, le délai, j'ai mis 10, mais je vais le descendre à 5 parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence, en fait. La plupart du temps, on est soit en dessous de 5, soit au-dessus de 10. Et les niveaux de difficulté. Donc, les niveaux de difficulté, 1, c'est donc trivial, il n'y a pas de procédure stockée, il n'y a pas de trigger, donc pour migrer, ça va être extrêmement simple. 2, c'est un niveau un peu plus facile où vous avez pas de procédure stockée, mais des triggers et sans retouche de code. A priori, Aura2PG n'a pas détecté de modifications à faire dans le code. 4 et 5, c'est des niveaux où là, vous avez du travail à faire sur vos procédures stockées ou triggers et éventuellement. En général, donc 1, 2, 3, vous allez le trouver sur les niveaux A et B. Et 4 et 5, vous allez plus les trouver sur le niveau C, où là, il va falloir que vous engagiez une vraie gestion de projet pour gérer votre migration. L'idée, c'est ça, hein, c'est de pouvoir identifier tous les schémas que vous avez dans vos bases Oracle et déterminer quels sont les schémas que vous pouvez migrer très facilement et commencer par là, quoi. Pardon. Sur les quelques parcs de base Oracle qu'on a pu scanner, on se retrouve avec 10% seulement de bases qui nécessitent un projet lourd à mettre en place pour être migré. Sinon, on a 30% de bases qui peuvent être migrées quasiment instantanément, quoi. Et le reste, c'est il y a quelques adaptations à faire, mais c'est migré aussi très facilement. Donc, voilà,
vous savez que si vous voulez vous débarrasser d'Oracle, déjà sur 90% de vos bases, vous pouvez le faire assez facilement. Vous n'avez pas... Je vous parlais de la, du type tout à l'heure dans le fichier de, qui permet de scanner les instances. Maintenant, RatoPG permet aussi de migrer les bases MySQL. Donc vous connaissez mon rapport particulier avec Oracle, c'est pas de l'amour, c'est clair. Donc MySQL a été racheté par Oracle. Voilà ma réponse. Alors, plus sérieusement, c'est une feature qui a été demandée par le CNES, par le Centre d'études spatiales, pouvoir analyser le parc de bases Oracle et aussi les bases MySQL. Il y a des outils qui existent. Il n'y en a pas, à ma connaissance, qui extrait les fonctions, les triggers, les partitions, tout ça, qui les réécrivent et qui font toutes les modifications possibles en automatique, comme sait le faire RatoPG pour Oracle. Il le fait aussi pour MySQL. Enfin, bon, c'est tout frais pour MySQL, donc il y a certainement des retours avant que ce soit un peu plus efficace, mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors, on a des partitions, des data links aussi dans MySQL. RatoPG les exporte. Il y a du spatial, RatoPG l'exporte aussi. Les données comme le schéma. Voilà, donc, pour vous en passer, vous avez RatoPG. Ah, bon, je ne me suis pas autoproclamé médecin, donc je suis simple prescripteur. L'assureur, c'est les zones d'assurance, hein, que ce soit pour les migrations, pour base Postgres, vous connaissez Dalibo. Vous en, outre le numéro vert, pour les problèmes techniques, hein, vous avez la communauté d'entraide Postgres, donc postgres.org ou fr en français. Et donc, je vous engage à utiliser la version 16 qui viendra prochainement. Je voulais remercier spécialement Stéphane Tachoir d'Air France et le CNES. Je ne sais pas si je suis allé trop vite ou pas. Alors j'en ai parlé légèrement, en fait, parce que là c'est plus de la documentation pour expliquer comment on fait pour analyser justement ce genre de choses. Que ce soit pour MySQL ou Oracle, on a possibilité de tracer dans une table toutes les requêtes qui arrivent. Donc à ce moment-là, on trace et soit on génère un fichier avec ces requêtes-là et du coup on donne à RatoPG le fichier. Soit maintenant, RatoPG, enfin version 16, sera capable d'aller lire ces tables-là, la table Audit Trail par exemple, de récupérer toutes les requêtes, de les normaliser et d'estimer la migration globale, du coût de migration globale de toutes ces requêtes. Donc, voir s'il y a des difficultés ou pas, mettre un poids par défaut, de 10 secondes par requête pour vérifier qu'elle marche bien, voilà, des choses comme ça. Ça, ce sera intégré dedans. Pour MySQL, on peut faire la même chose, il peut soit loguer dans une table, soit dans un fichier, et on pourra lui donner les deux, quoi, le fichier ou la table. Alors, moi j'aime bien dire aux décideurs que, en fait, parce qu'on a une idée de la base Oracle qui est surfaite. La base Oracle, c'est des tables, voilà, des données. Et ce qui est vraiment primordial dans ces bases-là, c'est les données. Donc à partir du moment où on peut passer ces données-là dans des bases Postgres et qu'on est à ISO-fonctionnalité derrière, bon, s'il veut sortir son chéquier, qu'il le sorte. Hein.
Moi, il y a beaucoup d'entreprises qui, à partir du moment où c'est budgété, en fait, ils s'en foutent quoi, du coût global de leur base de données. Hein. Donc, pourquoi les forcer à migrer hein, s'ils ne veulent pas? C'est une question de coût, principalement ça. Alors moi, pareil, en tant que prescripteur, non, la demande doit venir du client et il faut mettre la pression. Plus il y a de clients qui le demandent, plus l'éditeur fera l'effort de migrer. Mais maintenant, il faut surtout, parce que c'est un problème économique, avant tout. Donc il faut dire à cet éditeur, ok, moi je prends ton produit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que Postgres, je ne paye pas la licence. Donc, si tu me dis qu'il n'y a que Oracle, bah, tu me payes la licence Oracle. Tu prends ton produit, mais tu la payes. Ça va très long débat, ça. L'organisation des éditeurs. Pas forcément d'accord avec. C'est un problème en soi. En fait, j'ai essayé d'apporter aussi des éléments de. Il faut demander. Peut-être une dernière question entre des sons. C'est le schéma marché. Ah oui, c'est préférable. Vous pouvez scanner plusieurs. Enfin, pour le scan, vous pouvez le faire. Enfin non, le scan, je crois que c'est même. La problématique, ça va être d'utiliser un utilisateur DBA, enfin un système qui puisse se connecter à tous les schémas. Et voilà. À partir de là, vous pouvez tout scanner et vous aurez une idée globale. Mais souvent, dans Oracle, ce que vous avez, c'est des schémas qui sont des bases, en fait. Donc vous avez un schéma qui va servir une application et un autre qui va servir... Donc, pour moi, la notion de base, c'est un schéma sous Oracle. Okay. On va essayer d'avancer. Désolé, on est encore en retard. C'est encore un grand débat, mais...